Putain, mais il a faim! Mais c'est grave comment il a faim! Elle est où? Elle est où? Elle est encore devant. Bon, par contre, c'est des petits glitches comme ça, moi je dis. Calme! Ah, c'est bon, on a gagné là. Sans regarder. On a gagné ou pas? Il a Ah, voilà, on a gagné. En fait, il y a vraiment des endroits où on peut glitch, en fait. Bon, c'est pas plus mal, hein. J'ai aussi faim que ce Furby, bordel. Oh, mais je vais te faire bouffer ma carotte, tu vas voir, regarde, bouffe. Give me a tree. Putain. Non. Mais un jour, ça va servir à quelque chose, pour pêcher la mer, hein, c'est obligé, hein. C'est obligé. Mais pourquoi il... Attends, je viens de percuter. Le truc, il nous triche. Hein. Il nous dit comme quoi il est dans le basement. Mais je n'ai pas envie qu'il soit qu'il nous triche, le truc. Oh, putain, la batterie. Oh. Oh. Avec un petit... Tu me saoules. Oh, une cassette. Des bandages. Ouais. Une cassette. Play the VHS. Bring to the bedroom TV. Oh. Un truc à dire ou pas? Putain, en fait, le pire, c'est qu'en fait, il est super bien animé, on dirait vraiment un Furby, quoi. Ils ont bien pensé au truc, hein. 16 sur 22. Attends, j'ai même pas compté. À mon avis, ça va être des œufs vraiment en mode. Bien caché pendant certains events et tout. Là, tu vois, par exemple, l'event de cache-cache est fini. Et à mon avis, il doit y avoir des œufs qui ont dû spawn quelque part, c'est obligé. C'est comme là tout à l'heure, si je faisais pas gaffe, le l'œuf de. Sous l'arbre de Noël, j'aurais pas vu. Mais il a faim, il est vu que je le pense tout le temps et tout. Tu vois, il y a même un œuf là. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Par contre, ce rire. Et pourquoi il y a beaucoup de sucre et beaucoup de ketchup? Je ne peux que dire à l'instant. Mais ce rire là, ça me dit un truc, non? C'est pas dans un jeu avec Vous savez de quoi je parle? C'est un jeu. Emily Wants to Play, c'est bon, je l'ai. Dans Emily Wants to Play, il y a exactement le même rire, je crois. Vous savez, la petite marionnette qui nous court après, enfin, il rigole, il fait. Pour ceux qui ont vu le jeu ou quoi, hein, en let's play. Oh, il y a un chat! Il y a un chat! Léa! Il y a un chat! Look at this, il y a un chat! Oh, ta gueule! C'est presque le même rire, j'ai l'impression. Enfin, modifié, quoi, mais... Dans un bedroom TV, ok. On va pas trouver d'œuf là. Oh, mais l'écho dans la salle de bain, au secours! Ça me dit un truc, ton rire. Ouais, mais c'est le... Vraiment, c'est la séquence quand t'as le... Enfin... En premier, c'est la poupée. Du coup, il faut pas que tu bouges. Après, l'autre, c'est le clown. Et le troisième, c'est la marionnette qui te court après. Donc, du coup, il faut que tu le fuis. Et quand il apparaît, il fait. Et quand je fais le cri, là, c'est quand il te court après. Attends, ça lit les cassettes, ça? C'est quoi cette arnaque?
Oh, oui. Il y a des chances, il y a des chances. Je dois cliquer. Ah oui, je peux cliquer quelque part. Ouais. Ah. C'est Mama. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce... Friends. En fait, on voit rien, c'est normal ça? Le produit storage. Mama's coming. Hey, I'm Hein? Hein? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Y a un lore là? De quoi? Il sort d'où ce lore? On a un meurtrier? Wake up, wake up, wake up. Oh la vision de l'horreur! Wake up, wake up. La gueule! Wake up, wake up, wake you're up! We're having a party for my mama. Come help us. Oh la vache! Dis-lui vite, ouais. Oh, y a tout qui est ouvert et tout. Oh, vas-y, on va dehors. Il faut aller au basement, mais oh! Déjà, il y a un œuf là. On a combien? Bandana? Je comprends pas ce qu'on récupère en fait. 17 sur 22. J'ai dû en louper, c'est pas possible. Bon, déjà, on a pas de chien apparemment. Allez, let's go, on peut aller sur le toit. Il me fait peur quand tu parles. Ah. Attends, c'est normal qu'on puisse aller sur le toit? C'est normal? Je pense pas que ça soit normal en fait. Excusez-moi, on peut aller sur le toit? Mentor. La mère à côté qui est en train de mourir. Ah, le furby m'attaque. Attends, mais... Il ferme là. De Dieu. Parcours. Oh non. Oh non. Ça se reproduit. Et un œuf là. Rapid foot. Numéro 20. 18 sur 22. Là, si on arrive à choper les 22 œufs là. Bon, je pensais qu'on allait changer de jeu, mais en fait, on va peut-être continuer du coup. Attends quoi? Attends quoi? J'ai glitché. Je viens de littéralement de glitcher le jeu. Je viens de niquer le jeu. Oh putain. Mais laisse-moi me concentrer. Tais-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, tais-toi. Je n'en peux plus de toi, arrête. Bon, deux secondes. Bon, j'ai glitché le jeu. Je suis désolé, mais bon. Ça prouve que le jeu peut avoir des failles. Je suis fier de moi quand même. 18 sur 22, continue ce parti, ouais. Je speedrun le jeu ou quoi? Ça va voir, mais ça m'appelle les Gremlins. On n'est pas loin, puisque c'est un film de Noël aussi.
Et pendant très longtemps, je croyais qu'aussi les Furby c'était les Gremlins. Enfin, c'était la même famille, mais en fait non. Les Mogwai surtout. Parce que oui, attention à ne pas confondre. Le savez-vous? Parce que oui, tout le monde le confond, mais les Gremlins, c'est la transformation. C'est pas le nom de Gizmo. Gizmo, c'est un Mogwai. Et Gremlins, c'est une voiture de merde. Attendez, parce que maintenant, si on peut glitcher, j'ai envie de glitcher, moi, maintenant, pour de vrai. Attendez, j'ai envie de m'amuser, là. Où est-ce que je peux aller, du coup? Alors que je dis pas de conneries, ici... Et il parle vraiment comme un Woody, là. Nous, les jouets, nous voyons tout. Oui, c'est dit dans le film. Et justement, le savez-vous, la petite anecdote du cinéma. La voiture qui est dans le film, tout début de Gremlins 1, il y a une voiture qui est encastrée dans un poteau. C'est une voiture qui s'appelle Gremlins, du coup de la marque de la voiture, qui est sortie en même temps que le film. Le problème, c'est que c'est une voiture de merde. Et donc du coup, bah, comme le film l'avait prémédité, elle a foncé dans un mur. C'est-à-dire que c'est un crash financier, la Gremlins. Et c'est dans... comment il s'appelle ce con? Karim Debbache. Je vous invite vraiment d'aller voir la vidéo de quand il parle de Gremlins. Karim Debbache parle des Gremlins. Enfin, il a fait une vidéo sur les Gremlins qui est super importante et qui est super cool. De la série Crossed. Cherchez le nom. Mais ouais, non, quand j'ai appris cette anecdote de fou, donc du coup, j'étais trop content. What the fuck, j'étais TP dans un autre stream. C'est pas la première fois que ça t'arrive, hein. Bizarre. Je me souviens jamais du nom de Gizmo. Oui. Je sais plus ce qu'il devient maintenant. On peut sauter par là. Je sais pas ce qu'il devient maintenant, Karim Debbache. J'espère que. Il a pas fait un. Oh ta gueule, nom de Dieu! Ouais, j'espère qu'il a pas fait un. Comment on appelle ça? Un burn-out. Ah, mais j'ai encore planté! Apparemment, on peut pas. Twitch est hanté. On continue, voilà, on va pas faire de conneries maintenant, on va jouer vraiment comme des vrais joueurs. Oui, je sais, j'ai une pub et ça a planté, ça m'a TP sur un autre stream de jeu d'échecs. De jeu d'échecs. Oh, tais-toi. Allez. On va trouver ta mère. Putain, 19. 19 sur 22. Encore 4 mois. C'est plus de 4 mois. Je t'assure que c'est plus de 4 mois, Kebab. C'est au moins. Je crois que sa dernière vidéo, c'est. C'est celle de. Enfin, sur lequel il a presque travaillé. C'est celle de Tomb Raider, je crois. Ouais, ben le temps passe vite, hein, oui. L'argument, ouais, bon, écoute. Pourquoi il y a autant de bruit, là? Oh, il y a des cupcakes. Ah, maman, t'as fait des cupcakes, c'est trop bien, merci. Des bougies. Putain, c'est le rayon de Noël le plus pauvre que j'ai eu de ma vie, hein, par contre. Hein. Ah, mais ils sont tous dans le basement, t'as fait. Ok. Je peux pas ouvrir. Ok. T'as faim. Mais il stream maintenant. Ah, mais s'il stream maintenant, tant mieux. Non, mais tant mieux. Ah, mais oui, c'est vrai, putain. Il fait des vidéos reviews sur des films et tout. Mais je crois qu'il peut plus maintenant parce que le Amazon. Amazon Party n'existe plus. Attends, me dis pas qu'il fallait vraiment sauter sur le toit. C'est pas possible. Mais si, c'est possible, ta gueule. Amazon quoi? Ouais, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelle Watch Party. Où sur Twitch, tu pouvais regarder des films avec ton public, mais ça marchait pas. En même temps, c'était très, très sectaire, ce genre d'options. Même moi, j'avais hésité à le faire, parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai envie de voir avec vous, mais le problème, c'est que tout le monde a Amazon Prime, quoi, donc du coup, c'est nul. Ok.
Salut les jeunes! Comment ça va? Y'a pas d'œuf là? J'ai fini hein. Non, c'est bien fermé. Mais fermez-vous! Trouver des enfants pour. Trouver des enfants, non, trouver des amis. Ok, on est mort. Moi, je vous le dis, on est mort là. Là, on est mort. Et pourquoi je panique? Il n'y a plus le gosse. Donc, il n'y a plus le gosse. Il n'y a plus Furby. Pourquoi il y a de la fumée? C'est quoi cette fumée? Oh. Come to mama. Et merde. Est-ce que ça, c'est un Metroidvania? Non, toujours pas. Oh putain! Il n'y a pas de cave aussi. Ah mais franchement, il n'y a que chez les Américains que t'as des caves comme ça. Hein. Le truc il fait 47 mètres carrés. Bon. Trouver un ami. On a trouvé un ami dans la cuisine déjà. Cuisine? Non, arme de Noël. Viens par là. Mais c'est quoi ce son? Putain, il est juste... Non, j'ai eu peur, c'était lui qui avait peur, c'est du tout. Ah! Je comprends pas le système de téléportation du méchant là. Oh, faut tout refaire. Faut pas chercher. Ah bah si, c'est un peu le principe du gameplay. Ah si si, il y a des... C'est quand même, on est quand même à 1h30, je crois qu'on est au moins à 1h30 de découverte du jeu. Si en 1h30 on a toujours pas compris le gameplay, faut se poser des questions. Et si je vais sur le toit? Viens me chercher, maman! Viens me chercher! On notera qu'on voit pas les alentours quand même. Bon, il y a un Furby qui est dans le garage. Le problème c'est que si je descends, j'ai peur qu'on soit bloqué. C'est bon. Bon. Tu es en plein milieu de la forêt ou quoi? Ah bah tu sais, la campagne. Allez, je vais faire comme le mec des Jeux Olympiques là. Pour dans tous les sens. Il faut qu'on le brosse en plus ce con. Ah, maintenant! On va sur toi. Ta gueule! Mais ferme ta gueule, nom de Dieu! Ok. Calmos. On ne fait plus rien. Il peut pas venir là, c'est pas possible. Là, je tombe into cave.
fais un 360. Je fais un 360, je tombe into cave, roulade, backflip à côté de ses potes. Là, je vais mettre le ta gueule de JDG quand il gueule la ta gueule. Comme ça, qui ça, il sera content. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te jure. 360. Putain, il y avait un mur invisible. C'est où? Là? Oui, il en manque un, quoi. Bon. Oui! Ah, oh oui, oui! Ah, mais tout est ouvert! Oh. Bon, j'espère que ça a pris un checkpoint là parce que. Je suis le checkpoint! Le checkpoint! Je secoue bien ça. Je le prends. Non! Est-ce qu'on a le temps de courir sur le toit? Le toit. Oh, j'ai glitché le jeu. Ah, je vois les rageux dans les commentaires. Mais pense, je joue pas comme ça, le jeu vidéo. T'es pas censé te cacher ici. Tokusha, t'es pas une référence. Ta chaîne est trop nulle. Faudrait peut-être que je fasse un t-shirt des haters. Parce qu'on commence à en avoir, hein. Je suis assez content. Enfin, des haters. Des gens qui mettent des pouces rouges sans raison. Parce qu'ils expliquent pas dans les commentaires. Ça, c'est vraiment dommage, hein. C'est revenu? Ok. 360. Yop! Tada! Let's go. Encore? Participate, pick up, tell. Il en faut encore? Mais où? Mais où ça? Mais tu les vois les pouces rouges? Mais oui! Oui, parce que vous, parce que maintenant, YouTube les cache, etc. et tout, parce que blabla. Bla, c'est pour éviter le harcèlement, etc. et tout, blablabla. Bla, bla. Ouais, c'est bien, sauf que du coup, on n'arrive pas à savoir s'il. Enfin, il existe des add-ons pour voir, etc. et tout. Mais moi, je les vois du coup. Les gens qui dislike et franchement des fois je comprends pas parce que il y en a sur on va dire et merde admettons sur 10 vues il y a au moins 5 personnes qui like, il y a une personne qui dislike et je comprends pas pourquoi en fait, j'arrive pas à comprendre. Et l'intérêt du coup si tu vois si toi tu les vois, bah je sais pas, franchement je sais pas. Moi je préfère littéralement avoir un commentaire constructif ou non qui explique pourquoi il a pas aimé la vidéo ou quel passage etc. Tu es mort. Dislike tout le temps perso. Mais c'est ça. Attends quoi? C'est quoi ce gameplay? Ça a changé? Mais pourquoi il est dans mes bras lui maintenant? Parce que je trouve les cupcakes à l'étage. What the fuck? Ça a changé? Ah mais même pas. Mama elle aime pas quand on fait des parties. Bon Mama est pas loin apparemment. C'est faux au cas où, oui je sais, t'inquiète pas. Bonjour, je suis mort. Bon, mon nouveau gameplay apparemment. On va retourner en haut sur l'étage. Sur le toit. En fait, le toit c'est littéralement notre kryptonite contre ma main. Putain, elle était juste en bas. We know what you did.
Quoi? Maman, maman aime pas quand on fait des parties ou maman aime pas quand on fait des partous? Kebab, t'as quel âge déjà pour poser ce genre de questions? Je vais pas te répondre. Ah! Mama's coming. Non, tu me vois pas. Putain, elle était dans le garage. Nick! Attends un petit peu. Là, ça se voit que je me suis pris un coup de soleil. Hein. 22 ans en 2034, putain, la meilleure réponse. Ah, j'ai 22 ans. Ah, bah c'est bien, en 2034. Ah, putain. On dirait une mauvaise blague d'un sitcom. La mère qui va chercher son gosse qui sort d'une boîte de nuit. Le videur qui le tient. Le videur qui le tient par le bras. T'as quelle pitié, je peux même pas expliquer mes blagues. Je disais, on dirait une mauvaise blague de sitcom, comme le videur qui tient par le bras le gamin, la mère qui vient le chercher, il dit « Mais qu'est-ce que tu foutais là ?» Il m'a dit qu'il avait 22 ans. Oui, en 2034. J'ai les cupcakes. Oh non, il faut que je le brosse. Ah franchement, la machine qui... Ah non, 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 non. J'ai les cupcakes! Arrête, carpette! Comment ça, mort? Il s'en fait Stevie Light? Faut que je trouve des bougies. J'espère que l'autre elle va pas débarquer ici. On retourne sur le toit. Ok. Ah! Come to mama. Mais c'est un jeu de l'angoisse en fait. Hein. Entre l'autre qui veut que je lui donne à bouffer et tout. Ah oh, je lui ai donné à bouffer il y a 2 minutes quand même, hein. Oh, et maintenant il faut que je le brosse. C'est impossible. Ce jeu est impossible. Oh, j'ai insupportable. Attends. Quoi? Il faut que je trouve des lumières festives. Mais Ah oui, comme ça dans ma poche. Ok, pas de soucis. Ok. L'anniversaire d'un enfant de 4 ans. Attends, quoi? Tu fais un rituel satanique? Mais là, pour l'instant, en vrai, le problème, c'est que quand même, je comprends pas le lore, malheureusement. Et je sais pas du tout ce qu'on fait. Mais là. Il faut que je ramène des bougies maintenant, mais putain, mais. Oh, y'a maman qui débarque. Non, pas ici! Oh merde. Mama's coming. Attention screamer. Screamer. Ah, il va avoir faim. Et on lui a donné à manger il y a 30 secondes. Il a plus de batterie, il a plus de. Y'a pas rien qui va. Y'a tout qui clignote, hein. Au secours. Bon, déjà la batterie. Ok. Salut, toi aussi tu n'aimes pas ta petite sœur, offre lui un Furby, brosse-le toutes les 30 secondes et donne-lui à manger. Oh nom de Dieu.
Il fait exactement 1 minute 20 et 49 centièmes pour valider sa barre de faim. Mais c'est pas possible, Tsuki. Wow. Hein? C'est infernal. Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il donne en offrande des cupcakes et des bougies? Kebab, t'as vu le futur? T'as vu qu'on allait faire un rituel satanique? Non, mort, maman! Attends, join the séance? Comment ça? Je fasse quoi? Ah! Oh là là. Ah, bonne ambiance, hein! La communion de Jérémy a mal tourné? Je sais pas. Rewind the VHS. Ah, il prend un crayon? Comme à l'époque? Mais parce qu'à l'époque, on rembobinait avec des crayons nos petites cassettes audio. Parce que pour les plus jeunes de moi. Survivre au rituel? Hein? Avec leurs yeux blancs là, au secours! Je me mets dans un coin. Mais elle est où notre vraie mère? Je suis mort. Mort cent fois. Mama stole the candles. Mais putain, mais... Salut. Je suis mort, là. Je pense qu'elle ne va pas bouger tant que je ne bouge pas. Attention, j'ai bougé. Aïe, c'est là. Ouais. Ah, mais elle a bougé? Je comprends pas. T'as papa et maman qui est ta petite soeur qui dorment tranquille. Bah, ma petite soeur, je sais même pas ce qu'elle est. Oh. Mais. Oh, mais vraiment là? Ouais, la droite, c'est ça? Bon. À mon avis, là, le gameplay, c'est qu'il faut que je me déplace dans la maison pour trouver les bougies. Donc, attention au screamer. Screamer. Ah, mais c'est Macron démission, là. Je trouve les bougies. Bougies. Oh, putain, j'ai un flashback dans l'autre jeu que j'avais joué. Où je cherchais des bougies. Oh! Une bougie! Casser des vases. Non. C'est pour ça qu'on avait cassé un vase au tout début. C'est pour un gameplay pour faire comprendre qu'il fallait casser les gaz plus tard. C'est un fusil de Chekhov en fait. Vous le savez pas? Bah moi non plus. C'est pourquoi le jeu devient intéressant à la fin en fait. Oh non, il y a des fakes en plus. No more mama. No more mama. Allez, tous en cœur dans le chat. No more mama. Hashtag no more mama. Oh, j'ai envie de faire un t-shirt. J'ai envie de faire un t-shirt no more mama. Oh merde. Oh, j'ai l'idée en tête.
Mama's looking after you. Ah, allez, ah, merci. Hashtag no more mama. Allez, dans le hashtag. Sur demain en TT mondial, là. Retweetez par Ariana Grande. No more mama. Oh my god. Bon, il y a un vase là-bas, je l'ai vu. Faut que je remette les bouchées, non. Ah. Le son qui se répète et tout. Une ferme est là. Allez, Mama, c'est entre toi et moi maintenant. D'ailleurs, je recommande le film Mama. Très bon film. Ça n'a rien à voir, je sais, mais. Mais il n'y a pas un épisode. Il n'y a pas un épisode. Non. Il n'y a pas un épisode avec des Furby dans Black Mirror. Ou je confonds. Comment ça s'est téléporté? Ah, n'hésitez pas à baisser le son, hein, parce que là, on va en bouffer du mama. Hein. J'entends un bruit à chaque fois, je comprends pas ce que c'est. C'est elle qui se déplace? Et ses gros pieds là? Non mais. Je sais pas pourquoi j'ai pas de l'oubliant et j'ai pas vu pour ceux qui m'ont perdu. Mais... Attends, j'ai pas tout vu avec le client, j'ai pas. Ah, que ceux que ton père... Ah oui, mais faut que tu les regardes tous, enfin... Il y en a certains qui sont un peu particuliers, hein, mais... Ah, on va pas avancer. On a 5 bougies à trouver. On a 5 bougies. On a littéralement 5 bougies à trouver. Mais elle est en face. Putain, mais pourquoi elle attaque moi et pas ses gosses? Je te les compte si tu veux. Non, t'inquiète, parce que là... Bon, on va descendre. Enfin, vraiment, je comprends pas le... On a trouvé deux. Je comprends pas le système de déplacement de ma main, en fait. Parce que là, je lui tourne la tête, elle est en face, pas du tout. Ah ! Bon, elle est à gauche. Ah, c'est vraiment ces peinards ! On va se mettre là. Ça va être long. Là, mais tant mieux. Hein. Si on prend notre temps, au moins on aura fini ce jeu. On peut plus de ton truc, tue-le. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire en fait. Hashtag no more mama. Je ne te regarde pas.
Je ne te regarde pas. J'aurais cru qu'il y aurait un œuf ici, j'ai eu peur. J'ai pas entendu ses pieds. Et là, il y a un vase. Putain de merde! J'espère qu'il n'y a pas des vases. Oh, j'espère qu'il y a... On peut aller... Non, ok. Il n'y a que en bas, d'accord. Au moins, on éclaire. Il n'y a que dans le basement. J'ai même No Mama Forever. Donc là, il y a littéralement... Ah! Non, non. Non! En vrai, c'est un bon gameplay pour le coup. Ok. Non, 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 je la vois pas. Ok, c'est les portes. Putain, merde. Ah! Putain, mais bouge! Oh putain. Putain, là, ce putain de base, il me tend de l'œil. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Celui-là, là. Oui, je vois, mais c'est normal parce que pour le. Faut qu'il soit. Je sais pas. Il y a une grosse bêtise. Ah! On est à 3 là! Non, 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 non! Oh! 4! Putain, on a 4 bougies! Après, si les bougies ne changent pas d'emplacement, on peut carrément refaire le speedrun. Enfin, on peut carrément niquer Mama là. Attends, on a fait. Où est-ce qu'il manque? Elle est à gauche là? Ah! Non! Elle s'est tépée. Ah! Putain de merde, je suis mort! Oh! Non! Recap, l'entrée on l'a fait, salle de bain, enfin la vaisselle on l'a fait, ici, là. Papier cadeau on l'a fait, oui. Ketchup on l'a fait. Il n'y a que l'entrée vers la sortie. Où y aller là? Ah putain de merde! Ah mais elle est à côté mec! Et c'est pas des phrases très gentilles à dire, hein. Non, mais c'est pour ça que je lui dis de se calmer un petit peu. Come to mama. Attends, mais deux secondes. Mais je peux pas faire pause. C'est quoi la réponse? Attendez, juste que je vérifie un truc. C'est quoi la réponse en fait? C'est. Non, mais les enfants, kebab, c'est vraiment le gamin qui comprend pas pourquoi j'ai pas assez de followers en fait. Hein. C'est pour ça qu'il dit ça, vous inquiétez pas. Hein. C'est Et puis bon bref, non mais oui, oui, vous inquiétez pas. Mais fermez-la vous tous là, la propagande là. Putain. Oh putain, y'a un vase. Ah. Depuis quand il y a une porte ouverte là? Depuis quand il y a une porte? Quoi, c'est des pieds de lit? Pourquoi il y a des pieds de lit? Ah! Je suis mort. Je sais même pas où est-ce qu'on est.
Oui, non, mais oui. T'inquiète pas. No more mama. Ah no more. Même après la mort. Non, maman. Mais allez tous mourir en enfer. J'ai complètement oublié l'emplacement des bougies. On va déjà aller à la sortie. On va se mettre là. Ce bruit. On va se mettre là, on attend un petit peu. Recharge, go. On cherche des vases. Alors, ici. Il n'y en a pas, on est d'accord? Il n'y en a pas. Du coup, là-bas aussi, il n'y en a pas. Au moins qu'on soit clair. Putain, si! Oh non! Les bougies sont aléatoires! Oh non! Non! Je suis mort! Mama! Ah! Mama! Ça va chier du boudin là. Bonsoir Choudule. T'arrives sur le meilleur boss de Dark Souls 4 là. Et c'est passé. Non mais vous t'inquiète pas Léa, t'inquiète pas. On peut passer à autre chose. Allez, voilà, c'est fait. J'ai cassé la coque de ma tablette. Mais putain, il a démonté toute sa cuisine à cause de ce jeu. Et fermez-la. Hashtag no more mama, bien sûr. N'hésitez pas à le tweeter. On a trouvé une bougie ou pas? J'ai pas vu. Je pourrais pas rester longtemps malheureusement. Sans déconner, Erwan. Bon, allez, tue-moi. Putain, les bougies sont aléatoires, c'est chiant comme gameplay en fait. Allez. Putain, le titre de la VOD, No More Mama. J'ai eu un coup de vent. Attends, Shrudule, hashtag Shrudule en coup de vent. Je n'accepte pas ce hashtag. Shrudule n'est pas consentante, je pense. Ah, on a trouvé une bougie. Non, Mama. Non mais casse-toi. Je la vois pas. Elle est là. Le jeu en VR. Ah ouais. En vrai. Petite ambiance là, ouais. Il faut que je fasse vite. Hein. Non mais. On a deux bougies. Deux. Je vais faire comme passe-partout. Deux. Ah. Je serai encore en live, t'inquiète pas. Des bisous à toi, t'inquiète. Hein. Non, mais elle va rejoindre ses potes là. Elle préfère rejoindre ses potes que de lutter contre Mama. Ah! Je suis mort. On est à 3! Ah! Je suis mort.
tu mords. Oh putain. Oh le. Le petit effet d'éclair. Ah c'est bon. Bon. Faut qu'on aille là. Le fermier rend dingue. Totalement. Totalement. Je pense que c'est fait exprès aussi. Ah. Attends un peu. Ok. Putain, ca. À 4. Il en manque un. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Je strafe, je strafe. Je suis dans Doom là. Ah, je suis dans Doom là, ça y est. Oh, fais une fermée là, par pitié. Oh, Léa, t'as raté un jeu incroyable. Bah on y jouera après, je pense. Je suis assez motivé pour y jouer, pour faire la suite. Hein. En plus, on est à la fin du chapitre. Comme ça, on pourra passer à l'autre tableau. Ah non, 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 sans déconner. Mais sa mère. Mais sa mère. Oh, putain, mais je lui fais bouffer les piles. Putain de merde. Bon, on va là directement. Comme ça, on ne touche pas cette zone. Ok.